Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, l'animateur émérite Serge Defalé, la légende. Yumi, j'espère que tu vas bien. Superbement bien. Voilà, aujourd'hui, c'est une c'est une émission de taille et très spéciale. Oui. Parce que notre invité, je ne saurais comment la définir. Comment ça? Parce qu'elle a bercé l'enfance des personnes qui ont aujourd'hui même près de 50 ans. Mmh. On parle de 43 ans de carrière, on parle d'une diva, une étoile d'Afrique, une maman. Je dirais un mentor pour la musique en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a marqué son époque, qui a marqué son temps, qui a marqué, je dirais, trois générations successives à travers sa musique. Mais elle s'est bonifiée avec le temps, comme le bon vin, bien sûr. Mmh. Plus elle prend de l'âge, elle prend en compte de la bonification, elle prend en compte de l'ascendant. Dames et messieurs, je vous demande tout simplement, les musiciens, commencez à jouer. On va écouter la voix d'une étoile d'Afrique, s'il vous plaît. Aïcha Kone, maman Aïcha. Merci maman, comment tu as bercé notre enfance avec cette chanson. Merci. Je suis touché parce que tu m'as plongé dans un souvenir de gamin où je devais avoir un certain âge. Et quand on écoutait cette chanson, on tournait dans le quartier, on entendait cette voix suave et ça nous rappelait d'entendre la voix d'une mère d'Afrique. Merci. Et c'est tout un plaisir et un honneur de me retrouver aujourd'hui chez maman Aïcha Kone. Merci. Alors maman, on est dans Fa Fa. Hein? Alors bonjour maman Aïcha Kone, comment va la diva? Alhamdulillah, je me porte très bien. Ah Dieu merci, tant que tu te portes bien, c'est que nous aussi on se porte bien. Mais maman, comment tu fais pour rester toujours jeune et belle comme ça? C'est compliqué. Hein? Oh, j'ai un défaut, je dors beaucoup. Ah. J'adore dormir. Mm-hmm. Ben, faut dire que c'est dans la journée que je dors. D'accord. La nuit, je suis dans mes prières, okay. Dans mes zikres, comme on dit, les chapelets. Ok, d'accord. Parce que maman, tu vois comme ça, même ton malgré ton âge, tu es toujours belle. Je pense que maman Aïcha Kone doit avoir un cycle. Parce qu'on n'a pas l'impression que, voilà, qu'elle ait traversé toutes ces époques. Ouais. Mais ça reste la même personne, la même douce maman, avec la voix, ouais. Avec cette beauté. La voix n'a pas bougé, et puis surtout les yeux, la beauté des yeux. Ça, t'as oublié ça? Faut laisser à faire des yeux là, parce que ça a mis des pays en guerre. J'ai dit. Alors maman, 43 ans de carrière. 45, c'est pas 43 jours, hein? À 45 ans de carrière. Oui, quand même. C'est pas 45 jours. Hein? Alors maman, de tout ce parcours artistique pendant ces 45 ans, quel est le meilleur souvenir que tu gardes? Je parlerai de mes 10 ans. D'accord. De carrière, parce que c'était après mon show avec la sœur Pélagie. Mm-hmm. Il y a eu un article qui n'a pas vraiment parlé en ma faveur. Mmh. L'article même me demandait de déposer le micro. Wow. Que ça ne valait pas la peine. Ça m'avait cassé le moral. Pour vous incendier en fait. Un article pour vous descendre. Brisé même. Ouais. Yeah. Et le président Oufouette ayant lu l'article, oui. Ça l'a touché. Parce que c'est un ami de mon père.
D'accord. Et il a dit que c'est pas normal. Mm-hmm. C'est ma fille, elle chante bien. Mm-hmm. Il a contacté M. Ben Soumaro. Ben Soumaro, à l'époque, mm-hmm. Directeur de la télévision. La RTI. Et qu'il offrait la salle, mm-hmm. le palais des congrès de l'Ivoire, pour que je fasse un spécial show, un concert, pour prouver au public que je peux faire carrière dans ce métier. Donc, cette force est venue de là, du président Fouette. Et puis, ce jour-là, de tout le public qui s'est déplacé. Wow. La salle était comble, spectacle gratuit. Et puis, l'ambassadeur Wenyen, Georges Wenyen, est venu de la part du président me remettre une rose. Wow. Et il a dit de me dire qu'il a lui-même cueilli cette rose dans son jardin pour m'apporter ses encouragements. Wow. Et tout le monde le sait, 10 millions représentants mm-hmm. chaque année de ma carrière pour fêter mes 10 ans. 10 ans. Wow. Ça, c'est un souvenir que je vais garder. C'était pour moi, bim, c'est en fait. Plus que ouais. ce qu'on appelle le vinyle. Ouais. Parce que le président Oufouette m'a donné la force de... Bien sûr, donc c'est de là battre passe, dans vraiment, ce oui, métier, de vous battre, en fait. C'est de là que il y a des choses qui motivent et qu'on porte à jamais avec soi. Bien sûr. Le président Oufouette l'a été pour moi. Waouh, wow. C'est fort ça, c'est fort. D'accord. Alors, la diva, moi j'ai une question. Vous parlez de chansons, mais cette fameuse chanson sur le président du Mali, si vous nous racontez un peu cette histoire. Moi, je voudrais savoir. Je suis panafricaine. D'accord. Et j'admire tout bon Africain qui se bat pour son indépendance. D'accord. Et j'ai vu Assimi Goïta lutter pour ça. D'accord. Avec autour de lui 5 colonels. Mm-hmm. Donc, en tant que panafricaine, je lui ai apporté aussi mes encouragements. Mm-hmm. J'ai chanté Assimi Goïta. Mais est-ce que le moment n'était pas un peu mal choisi oui, au quand vu même. De la situation Il n'y a pas de moment pour un artiste. Oui, effectivement. Il n'y a pas de moment. Mm-hmm. Quand il y a une crise, il faut en parler. Quand il y a la joie, il faut en parler. Mm-hmm. Vous voulez peut-être parler du cas des 49 soldats. Oui, parce oui. que c'était la même période. Était, vous Exactement. Savez, soyons véridiques. D'accord. Mm-hmm. Moi, j'ai été à l'école des Blancs. Je sais lire entre les lignes. Okay. J'ai vu l'histoire des 49 soldats. Mon pays a dit qu'il ne les reconnaissait pas. Bon, au départ, mmh. oui. Ah, au départ. Mmh. Moi, j'ai laissé tomber. D'accord. Quelque temps après, on libère 3 femmes. Oui. Mmh. C'est des Ivoiriennes. Ça fait ah bon. Mmh. On est quand même dedans. Donc, ça veut dire qu'on est dedans. Quelque temps après, mon pays revient avec les gens de l'ONU. Ok. Oui, il faut libérer ces prisonniers-là. Mais moi, je dis, cette affaire, je ne me mêle pas. Quand une affaire commence avec on ne le connaît pas, après on le reconnaît, mm-hmm. je ne m'en mêle pas. D'accord. Ça, je l'ai dit et je le répète. Mm-hmm. Et comment ils ont été là-bas, parce qu'après on découvre qu'il y a des mécaniciens, il y a des charpentiers ou bien oui. des cuisiniers. Des cuisiniers. Ça, quand c'est comme ça, une affaire devient comme ça, ambiguë. Mm-hmm. Moi, Isha, je ne me mêle pas. D'accord. Parce que j'ai toujours demandé, puisque nous sommes dans la période des réconciliations, mm-hmm. pourquoi est-ce que le président ne... verrait pas le cas des prisonniers politiques, des gens comme Dogo Blé, des gens comme Soul to Soul, et ensuite le cas du jeune Peter 007. Oui, qui a eu récemment. Ça me dérangeait quelque part, surtout le cas de Peter. Le cas des prisonniers ivoiriens mm-hmm. que je connais, mm-hmm. j'en parle parce qu'ils ont participé à la crise. Oui, bien c'est sûr. Pour ça qu'ils sont en prison. Mm-hmm. Le président Gbagbo est venu pour intervenir. Si lui, il a été acquitté là-bas, mm-hmm. je pense qu'on peut faire un effort, libérer mm-hmm. ceux qui sont en prison. D'accord. Au moins, hein, parce mm-hmm. que moi, c'est comme ça que je vois la logique des choses. D'accord. Mais pour je vous, suis attaqué et tout. Oui. Depuis le président Gbagbo est revenu de la haie, est-ce que vous êtes déjà rencontré?
Je l'ai vu le jour de son arrivée à l'aéroport. J'y étais. Et puis, bon, quand il y a eu son congrès, j'ai été invitée, j'y étais. Et puis, dernièrement, à Yopougon, j'y étais. Parce que son parti, le PPACI, parle de panafricanisme. Voilà. Vous vous reconnaissez dans cette idéologie? Je me retrouve là-dedans. Parce que l'Afrique, à 60 ans, voire plus, l'Afrique a envie de se libérer, d'être elle-même. Et je vois des gens comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré de Burkina, dans cette lignée-là, je me reconnais là-dedans. D'accord. C'est très simple. La diva, vous parliez... Oui, on parlait des attaques. Oui. Mais pendant ce temps, quand toutes ces personnes commencent à vous attaquer, ils s'acharnent à vous, et, ben, est-ce que vous ne voyez pas qu'eux aussi, ils défendent aussi leurs intérêts? Lequel des intérêts? Est-ce que admirer quelqu'un qui se bat pour la liberté de son pays, moi je lui apporte ma contribution, je le soutiens, je ne vois pas où est l'attaque, ça c'est mon droit. C'est mon votre opinion personnelle. C'est ce que j'ai... C'est ce que je veux, et je ne veux plus d'un pays qui est esclave, qui dépend d'eux. La liberté nous avons nos fortunes, nos richesses, nos sous-sols. J'ai un président français qui a dit qu'il n'a pas d'amis, mais les intérêts, oui. Mais ces intérêts-là, c'est nous qui les avons, ça c'est là. Force de la nature qu'il a voulu. Mais malgré ça, vous voyez nos enfants dans les embarcations de fortune, pour aller chercher quoi? L'or de Caribou, alors que nous avons tout. Mais si nous avons notre liberté et que nous pouvons exploiter nos fortunes à nous-mêmes, je pense que il y aura moins de problèmes. On irait mieux. Moins de chômage et tout, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, le chômage existe. Oui. Voilà. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de Peter 007 qui, malheureusement, est toujours détenu en ce moment. Votre opinion sur cette histoire, sur ce qui se passe, ce qui arrive? L'histoire de Peter 00 m'a touchée en tant que femme, en tant que mère. Parce que moi, je ne connais pas Peter 007. J'ai vu un enfant rentrer au pays et sa maman, par surprise, qui lui donne le dos pour dire « Monte, viens que je te mette au dos. » Ça exprime beaucoup de choses. C'est la joie d'une maman qui était heureuse de retrouver son enfant, ainsi que le papa. Oui. Après, j'ai vu l'image de ses parents-là, à genoux, devant toute la nation, demander pardon au président Alassane Ouattara pour qu'on libère Peter. C'est un geste qui est normal, c'est naturel, parce que moi-même après j'ai lu dans les articles ce que Peter aurait dit du président, tout. Oui. J'ai reconnu que il avait osé, c'était trop. Mais un enfant comme Peter, qu'est-ce qu'il peut faire à un président? C'est sa bouche, il a pour parler, c'est tout. Oui. Et il n'est pas venu de lui-même. C'est des gens qui l'ont invité, qui l'ont rassuré. Et ça, là, lui arrive, c'est déchirant pour la femme que je suis. C'est pour ça que je me suis adressée au président Ouattara pour dire, libère les gens, ça va décrisper l'atmosphère que nous vivons sur le plan politique. Mais est-ce que, Maman Aïcha, c'est vrai qu'on dira que Peter est dans une situation très délicate, on est tous conscients de cela, mais est-ce que c'est aussi, je dirais, c'est pas un peu trop facile de laisser les gens parler, raconter ce qu'ils veulent sur la vie des autres? Tu sais, juste une tu question ne peux aussi. Pas, hein. Moi aussi, je te donne ma réponse. Voilà. Tu ne peux pas être un grand sans être quelque part choqué. D'accord. C'est pas possible. On l'a vu avec les prophètes. On l'a vu avec les élus de Dieu. Tu comprends? Donc, un chef d'État, quelqu'un qui est là-bas, qui dit n'importe quoi. Nous avons tous
trouvaient que Peter a mal fait. Mais rien ne peut remplacer le pardon. Bien sûr. Quand tu vois le père et la mère de Peter à genoux pour dire pardon au président devant toute la nation, il faut avoir un cœur de rocher, un cœur de pierre pour dire que oui, il faut le garder là-bas. C'est-à-dire, si tu ne peux pas plaider, ne viens pas ajouter encore quelque chose de... Okay. Ce n'est pas humain. C'est là où j'en veux à Fouquet-État. Okay. Parce que c'est une mère. Un enfant a déconné. Mais c'est les parents, les voisins, le village qu'on prend pour aller voir le chef du village. Mais une mère qui se met là pour dire oui, c'est mon papa, mon père Ado. Non, Ado même ne vous demande pas ça. Ce n'est pas humain pour une femme. Là, Afou m'a déçu. Parce que ce n'est pas à elle que j'avais adressé le pardon, c'est au président Alassane Ouattara. Si elle dit que Ado est son papa, mais c'est du n'importe quoi. Ado, en tant que président où il est là, c'est le papa de tout le monde. De tout le monde, oui. Tu es FPIO, tu es RDRO, tu es UDPCIO, BFHLE. Bien sûr. Ayez le courage de parler de vos parents biologiques. N'ayez pas honte d'eux. Un enfant qui fait ça, parce qu'Alassane aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Opportuniste, Louis. Donc, je me suis adressé au président pour demander pardon. Mais maman, en même temps, en parlant de Afou Keïta, récemment, on a vu que vous avez félicité Rosine Layo pour son disque d'or, en grande pompe. Est-ce que ce n'est pas parce que Afou Keïta en clash en ce moment avec Rosine Layo sur une affaire de plagiat? Et que aussi maman avec elle est rentrée avec maman aussi. Oui. Enfin, là, tout le monde est mélangé. Sur la toile, on se pose des questions. Il n'y a même pas à se mélanger. La chanson, là. Oui. Moi, Aïcha, je vous dis, allez sur YouTube. D'accord. Vous allez trouver le nom d'une dame qu'on appelle Joma Fanta. Joma Fanta. Joma Fanta. D'accord. Elle est de la région forestière de la Guinée. De la Guinée, ok. J'ai travaillé avec cette dame. D'accord. On a fait la campagne contre Ebola et tout. On a beaucoup voyagé ensemble. D'accord. Joma Fanta est la créatrice de Coucou. Donc, ça veut dire qu'Afou... N'allez pas loin même. Donc, ça veut dire qu'Afou qui s'est plaint. Elle a plagié, là. C'est bon. Elle-même, elle a plagié aussi. Merci. Bon, dans la vie, là, il faut être modeste. C'est bizarre. Il faut être modeste. Layo, là, c'est une petite qui l'admirait. Oui, bien sûr, elle a dit. Et tu viens te mettre comme ça, je ne veux pas, il faut annuler, il faut empêcher ça de se... Pourquoi? À quel titre? Il ne faut pas te faire commandant partout. On est là, on se connaît, on connaît les dossiers. La base de la musique mandingue, moi, on ne peut pas m'apprendre quoi que ce soit. Forcément. Je regarde chacun parler sur la toile, c'est révoltant. Ouais. Et je suis très contente que Jocelyne ait eu ce prix-là. Oui. Ouais. Je suis très contente pour elle parce qu'on voulait l'étouffer déjà. Ouais. Elle va comprendre que notre métier, là, beaucoup rit avec toi, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Donc, pour Jocelyne, je suis très contente. Roselyne, et je dis que les voix du Seigneur sont insondables. Amen. Là, le Seigneur est apparu à Jocelyne. C'est une leçon que chacun doit retenir. Oui. Tout ce que tu fais, fais-le avec un ici, un fond. Avec un cœur pur. Clair, pur. Ouais. Faut pas faire semblant. Ouais. Toi, tu aimes Jocelyne, elle fait une chanson. Elle a apporté sa touche et ça a pris. Mais malgré ça, elle te dit, si tu es fâché, viens, on va faire ensemble. Tu dis non. Non, là, la fille est partie prendre disque sa d'or. Médaille. Ah, c'est ça, tu es passé à côté. En plus, c'est le cœur, c'est le cœur. Ouais. Et la fille a fait dans son style, dans c'est son bon. Style, oui, c'est chic. Le chant, là, vient de la Guinée, d'accord. La zone forestière. D'accord. Joma Fanta. Vous savez que la zone forestière, là, c'est vraiment... C'est, bon, man qui dit man dit Daloa. Oui. Ouais, les frontières aussi, zone, ça va fait. Vers Odiné. Oui. Ouais. Rosine vient de vers là-bas. Propriétaire est en Guinée. Donc, ouais. Rosine, elle n'a qu'à rester tranquille. C'est-à-dire que le propriétaire même n'a même pas parlé que parce elle parce que le mandingue, ne lui c'est appartient ça. Pas. C'est, ça, c'est le terroir et chacun tire son inspiration. De là, bien sûr. Mais, il ne faut pas... Mais est-ce que maman Aïcha connaît depuis l'histoire, c'est vrai, avec Afou Keïta, est-ce que vous êtes toujours encore meilleur ami de la maman d'Afou Keïta? Mais vous n'avez pas vu la maman d'Afou au mariage de
Chaga, bien sûr. Ouais. Elle comptait parmi les marraines. D'accord. C'est une amitié qui date de plus de 50 mais ans. Mais cette histoire n'a pas effleuré un peu votre amitié? Non, je suis triste pour la maman parce que bien qu'elle soit venue à la maison présenter ses excuses, j'en profite pour dire merci à tous ceux qui ont intervenu pour moi. Comment on les appelle? Les cyberactivistes. Les cyberactivistes, les blogueurs, tout ça. Mais il y en a aussi qui vous ont chargé un peu. Oui, y a pas, mais qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils savent? Moi, c'est au président Alassane, j'ai demandé de libérer des gens. Ouais. Et pourquoi ils ont mal? On doit demander pardon. Et bien c'est sûr, au chef, on demande pardon. Pardon, oui. J'ai fait mon devoir. Ouais, vous avez fait votre devoir. Cette crise-là, ça va finir. Ouais. Je ne voulais pas qu'un jour on dise, mais Aïcha, pendant la crise-là, tu as fait quoi? Pour ce peuple-là qui t'a soutenu, qui a tout fait. Il y a eu des gens qui ont été torturés, qui étaient en prison. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as intervenu comment? Ça, ça fait partie de mon histoire, de ma vie dans ce métier-là. J'en profite aussi concernant les cyberactifs, les femmes et tout. Je dis bonne guérison à Bob Lee. À Bob Lee. Parce que j'ai vu qu'il est malade et tout. Pas très bien. Non. Alhamdulillah. Ouais. Donc, merci aussi à Love Gugu, à Tina Glamour, parce que je sais que c'est des femmes qui ont traversé des périodes très difficiles. Je leur dis merci pour leur contribution. Mais alors, maman, qu'est-ce que vous rapportez aujourd'hui avec Assimi Goïta du Mali? Très bon. Est-ce qu'il envoie un peu de mallettes, un peu d'argent rentré dedans? C'est pas votre problème. Ah, maman, on veut savoir, peut-être qu'on veut prendre un peu à côté. Non, je rentre pas dans des faux débats comme ça. Après aussi, alors, maman, quelle est la plus grosse somme qu'un président vous a offert, à part les 10 millions d'oufouis? Est-ce qu'il y a un autre président en Afrique qui a regardé un moment comme ça pour donner peut-être un milliard, je ne sais pas, quelle est la plus forte somme qu'un président a offert à un moment? Ou bien ça là encore, c'est les trucs qui ne volent pas dedans. Pour revenir à Afou Keïta, c'est vrai que Défalé parlait tout à l'heure de sa maman qui est venue chez vous. Vous avez dit qu'elle a présenté ses excuses. C'est une grande amie. Voilà. Ah. Mais les excuses de la maman, ce ne sont pas forcément les excuses de l'enfant. Est-ce qu'il ne faille pas que vous parliez de mère à fille avec Afou? Ça ne m'intéresse pas. Et si elle cherchait à vous voir pour présenter ses excuses? Non, je pense qu'elle peut attendre pour le moment. Pourquoi? Je ne suis pas prête. Non. Parce que ce qui s'est passé là, Afou voulait me démystifier. Ah, ça c'est quand même grave. Oui. Le Bambara dit chez nous, Atoumé fait qu'un lacari. Il voulait me démystifier. Je ne lui ai pas adressé la parole, j'ai adressé au président Alassane Ouattara. Pardon, libère les gens. Ce qu'ils ne savent pas, le président étant Ouattara, moi je suis une connée. Il y a ce qu'il y a chez nous, cette alliance qu'on appelle Tupé. Ouais, Tupé. Il y a des choses qu'on ne se refuse pas. Oui. Je lui ai demandé, j'ai vu des gens, oui, on ne demande pas comme ça à un chef d'État, on ne dit pas son nom. Quand quelqu'un est populaire, célèbre, on peut lâcher son nom, ce n'est pas une insulte. J'ai été attaquée parce que c'est des gens qui peut-être avaient un truc contre ma personne qui voulait en profiter, mais ils ont mal utilisé le chemin qu'il fallait. Il fallait qu'ils attendent que je m'adresse à eux avant de dire qu'ils vont raconter leur vie. Non. Même demain, là, ici, là, je demande encore au président Alassane s'il peut libérer les prisonniers. C'est bon. S'il peut laisser les exilés ivoiriens rentrer. C'est bon, moi je fais cette doléance parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est là. Est-ce que vous avez déjà fait, une tentative, histoire d'aller voir le président directement, demander à avoir accès au palais pour rencontrer le président, pour échanger avec lui justement sur ce sujet-là? Ça, je n'y ai jamais pensé. Mais je pense que la toile aussi n'est pas à sous-estimer. Bien sûr. Maintenant, on se lit sur la toile. Oui, tout se lit. Les différentes... maison de télé et tout. Oui, bien sûr. Mais ce que je dis devant toute la nation, ça, j'ai imploré la clémence du président. J'attends la réponse que je n'ai pas eue. D'accord. J'ai eu à apprendre que très bientôt, Défalé, Gadji Sélie, le King, sera bientôt de retour à Abidjan. Moi, j'aimerais avoir l'avis de la diva par rapport à ça, parce que ça fait quand même très longtemps qu'il est hors du pays. Lui aussi, il est en exil. Il est en exil, bien sûr.
C'est mon souhait de voir Gadji Sélé rentrer. D'accord. Il est venu jusqu'en Guinée me voir en compagnie de l'ex-époux de... Comment il s'appelle? Kensi. François Kensi. Ah, François Kensi, ouais. Anichele. Et puis l'autre là, Serge Kassi. Serge Kassi. Ils sont venus jusqu'en Guinée me voir. Ça m'a touché, on a pleuré parce que... Bon, tout ça, je m'adresse encore au président Alassane Ouattara. Si nous nous disons au Fouettis, au Fouet n'a jamais voulu qu'un Ivoirien soit un exilé. C'est pas beau, c'est pas joli. C'est pas joli. Si Gadji Sélé vient, il sera le bienvenu et j'espère qu'il n'aura pas de problème. Je l'espère que ce qui est arrivé à Peter 007 ne lui arrive pas. D'accord. En parlant des présidents, vous avez eu à avoir cette chance que beaucoup d'artistes n'ont pas eu, c'est cette facilité d'avoir accès au président. Oufoué Boigny, le président Bongo, comment il s'appelle encore, le président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, Madiba, et tous ces grands chefs d'État. Mais on voit rarement des artistes qui disent « Ah, j'étais avec le président, je mangeais avec le président, j'ai parlé avec le président. » Mais la diva, c'est comme si c'est « Ouais, je vais chez Défalé, je mange au S-Club aujourd'hui, du poulet. » Voilà. Ce que je peux dire à la jeune génération, l'éducation, parce qu'un artiste, c'est un modèle. Bien sûr. C'est le miroir de la société. Merci. Oui. Voilà. Il y a l'éducation là-dedans, la manière de vous exprimer et tout. Il y a des paroles qui peuvent faire que vous vous faites rejeter par les gens. C'est-à-dire, il y a des paroles qui vous ferment les portes. Qui vous ferment les portes. Je suis d'accord. Ça, c'est simple, ça. Ouais. Tu n'as pas besoin de dénigrer un chef d'État, par exemple, pour un autre. Celui pour qui tu le fais, là, il doit se dire que quand tu ne seras pas là, cette même bouche-là va te dénigrer. On l'a vu ici avec Afou Keïta. Dès que Gbagbo a eu ses problèmes, la chanson, c'est elle qui a commencé. La chanson, Afou a fait une chanson, mais elle me dit, quand j'ai chanté sur Gbagbo, les gens sont venus chez moi entourés. Rien n'est venu entourer. Mais elle a fait une chanson contre le président Gbagbo. Ce sont des célébrités. Quand Dieu a grandi quelqu'un, même si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas obligé. Bah, Dieu, là, nous tous, on ne l'aime pas parce qu'il nous demande de prier. Est-ce qu'on le prie? Il nous demande de ne pas voler. On vole. Il nous demande de ne pas mentir, de ne pas porter de faux témoignages sur nos prochains. Mais on le fait. Bien sûr. Une personne que le Seigneur a grandi, élevé, le jour où il est dans ses problèmes, laisse-le là-bas. Celui qui est pour qui tu es, chante-le. Mais tu n'as pas besoin d'humilier ou d'insulter. Moi, je ne mens pas. Hein. Poser la question à Fouet, elle a fait une chanson où elle dénigre bien le président Gbagbo. Mais ça, ce n'est pas signe de bénédiction. Et ce qui est contraire à la bénédiction s'appelle souillure, s'appelle malédiction. Il y a des choses que vous traînez, vous ne savez pas. Te mets dans la foule, tu parles n'importe comment aux gens. C'est une souillure. La parole. Oui. La parole, quand elle est mal injectée, ça devient du venin. Bien sûr. Et ça se garde. Il y a des casseroles qu'on traîne. Et ce qui arrive à Foula, c'est ça. Ici, là, qu'il soit purifié. Tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit purifié. Comment vous pouvez expliquer l'Ayo qui est venu hier, il est parti prendre disque d'or pour venir s'asseoir? C'est le Seigneur. En toute chose, il ne faut pas ignorer la présence divine. C'est important. Merci. C'est très important. Alors, la Alors, diva, maman, en parlant... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements dans vos paroles. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de bonté. On sent la vie et on sent quelqu'un qui aime son prochain. Mais à travers ça, aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur cette nouvelle génération, à votre avis? Quelle sera dans cette nouvelle génération de chanteuses ivoiriennes, celle que maman peut dire, elle peut me remplacer demain? Vous savez, c'est difficile de se prononcer. Oui. Qui aurait cru que
Là, Yola va venir avec. Non, elle a surpris. Elle, ouais, elle est venue, elle a surpris tout le monde. Tu comprends? Ouais. Dieu est le maître de tout changement. Est-ce que tu vois? Je vois, maman. Il faut. N'entreprend rien sans Dieu. Ouais. Quand le Dieu l'a dit, hé, Moroma Sinilon, nul ne connaît demain. Ouais. Qui l'aurait cru? Le cas de Layo, là, c'est un cas. Qui l'aurait cru? Mais on a aussi José. Bien. Non, il faut, mais malgré tout ça, oui. Qui a eu son disque d'or? Roselyne Layo. En fait, c'est comme une leçon qu'elle donnait aux autres artistes. Pas que c'est pas elle qui donne, mais c'est la vie qui nous la donne vie. Les leçons. Elle donne les leçons. Vous comprenez? Oui, je suis d'accord. C'est le principe de vie, oui. Les leçons. Ouais. Et puis, faites attention quand les gens parlent. Sachez lire, sachez discerner. Ouais. Je reviens encore sur ma situation avec Afou. Moi, je me suis adressée au président pour qu'on libère les gens, surtout le petit, la Peter. Je ne connais pas personnellement Peter, mais si je l'avais connu à Paris, je lui aurais dit de ne pas venir faire cette émission-là, parce qu'on l'a rassuré. Bien sûr. Et il est venu, il est tombé dans le piège. Et pendant qu'on plaide... Tu vois, les langues qui se sont déliées pour dire « il mérite ça » et tout, c'est méchant. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui. On ne sait pas ce qu'il est devenu et nul ne connaît demain. Vous qui avez dit « oui, il n'a qu'à rester là-bas, il mérite. » Wallahi, moi je ne peux pas être l'ennemi d'Alassane, Alassane Ouattara. Il était l'ami de mon frère, Aboulaye. Mon frère est tombé malade. C'est Alassane et sa femme, Dominique, qui ont pris soin de mon frère jusqu'à ce qu'il meure. Afou m'a insulté. C'est difficile pour moi de pardonner à Afou. La petite sœur de Alassane Ouattara, Sita. Sita Ouattara est de ma promotion. Quand elle vient avec sa mère, ils vont voir ma mère. La mère d'Alassane Ouattara, qu'on appelle Adjana Bintou, elle rendait très souvent visite à ma mère à Adjamé Dallas. Et quand elle vient chez ma mère, elle ne prononce jamais le nom de ma mère. Elle dit Koro Makura. Koro chez nous, ça veut dire la grande. Sita, la petite sœur du président Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui Madame Keita. Quand nous étions petites, elle vient avec sa mère et je viens avec la mienne chez la demi-sœur de ma maman, qu'on appelle Makoukou Traoré, qui fut l'épouse du sénateur de Bobo Dioulasso, le sénateur Wesdin Koulibaly. Son nom est dans l'histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ma mère... La mère de Alassane Ouattara, Adjana Bintou, nous nous croisons chez la demi-sœur de ma maman qui s'appelle Makoukou Traoré, la femme du sénateur Wesdin Koulibaly. Asta me connaît, nos mamans se sont fréquentées. Donc c'est le respect qu'il y a entre nos mamans et cette famille-là. Je ne peux pas comprendre. Même quand Asta, la sœur du président, était hôtesse de l'air, c'est ma grande sœur Alima qui était sa marraine. On se croisait en Europe, à Boulogne, chez ma grande sœur Alima, avec Asta. Quand elle finit ses vols, c'est chez ma sœur, elle descend. Nous mangeons dans le même plat. C'est une famille. Hein? Afou ne connaît rien de ça. Elle s'en va à Boundiali, dans ma commune là-bas, devant mes parents pour dire oui, celui qui en veut aux enfants de Adjama Bintou, est-ce qu'elle connaît Adjama Bintou?
C'est vraiment lourd, hein, en fait. C'est fort. C'est lourd. Elle a fait fort. Elle a fait un peu fort. Elle a fait fort. Mais maman Aïcha, en tant qu'un cœur de mère, est-ce que... Mon cœur de mère, voilà, là, la preuve, je suis toujours amie à sa maman. À sa maman, oui. Mais, c'est-à-dire, tu peux naître dans une famille, on t'éduque, et puis toi-même, tu t'en vas te mettre dans la poubelle. C'est le cas de Afou. Afou n'a pas bon cœur. Hein. Elle n'est pas sincère. Moi, si je le disais, plus autrement. Mais vous l'avez vu, là, avec l'Ayo, ce qu'elle a fait. Il faut qu'elle change. Il faut qu'elle soit sincère avec elle-même. Si Alassane Ouattara même sait que toi, Afou, tu m'insultes comme ça, là, je ne pense pas qu'il va t'appeler pour te féliciter. Parce que nos familles, on se connaît. On n'est pas éduqués comme ça. On n'est pas éduqués comme ça. Moi-même, le jour où sa mère est venue chez moi présenter ses excuses, j'étais gênée. Parce que c'est l'amie d'enfance, dès qu'elle rentre, c'est elle qui gère la maison. « Hey, venez me donner ça, je veux ça et tout. » Mais ce jour-là, elle est rentrée, on devait manger ensemble, elle dit « Elle ne mange pas. » Ça, c'est un truc, Afou ne sait pas ce qu'elle a fait. J'étais gênée de voir mon amie gênée à cause de son enfant. C'est pas normal. C'est pas bien. Elle a mis un peu sa maman dans une position un peu... qui dérange. Qui dérange. C'est pas normal. Dieu Malassane, aime-le. Mais faut pas insulter les gens pour rien. Je ne comprends pas. Si alors, c'est l'argent d'Alassane, moi j'en ai bouffé. Parce que quelqu'un qui a soigné ton frère, j'ai bouffé. J'étais en Guinée. La personne qui m'a eu au téléphone pour dire la première dame va vous parler tout à l'heure. C'était un de mes petits qui est à la présidence là-bas, Alain Kambiré. Et 5 minutes après, j'ai eu la première dame. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais en Guinée? J'ai dit, ah, il y a eu la guerre, j'ai eu peur, mon neveu a fait venir. Elle dit, bon, je fais Children of Africa, il faut venir. Parce que tu comptes parmi les artistes que j'aime. Voyez comment les voix du Seigneur sont insondables. J'ai fui, parce qu'il y avait la guerre. Mais qui m'a fait venir? Dominique Ouattara, la maman du RDR ou bien RHDP, si tu veux, m'a venue, m'a rentrée en Côte d'Ivoire, c'est Dominique. Parce que c'est une dame que j'ai connue avant qu'elle ne soit Madame Ouattara. Je l'ai connue il y a très longtemps, depuis qu'elle habitait vers l'ambassade de Ghana, aux deux plateaux. C'est une vieille relation qui a été établi grâce à mon frère Aboulaye Kone, qui était à l'éducation nationale. Ah, j'en ai appris que vous connaissez depuis longtemps. Voilà, c'est une vieille affaire. D'accord. C'est pour ça quand Mme Dominique Ouattara dit « Aïcha, c'est ma sœur », c'est pas les train-train de maintenant. Bien non. Sûr. C'est vraiment une relation longue durée. C'est une vieille affaire. Et mais quand vous êtes plus proche de justement de Mme Ouattara que de monsieur. Oui, mais c'est des choses qui arrivent. Je l'ai connue avant. D'accord. Aboulaye était à l'éducation nationale au service comptabilité et Mme Dominique Ouattara avait son époux aussi qui était à l'éducation nationale. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils m'ont connue par le biais de mon frère Aboulaye. Donc en ce moment, elle n'était pas encore Mme Ouattara. Mais bien avant ça, la famille de Ouattara, ses sœurs et nous, nous nous fréquentions de par nos mamans. Donc c'était un peu pour informer Afou. D'accord. Alors maman, on dira que tu as vu passer, je dirais, tous les présidents exactement. De la Côte d'Ivoire. En passant par Félix Houphouët-Boigny, qu'on dira votre mentor. Après, le président Bédié, le général Feu. Je vais vous dire, je lui dis merci. Parce que quand j'étais à New York, il fut un moment, les frais ne suffisaient plus pour l'enregistrement. Et je l'ai appelé, étant donné parce que j'étais à New York. Je l'ai appelé à Washington, on me l'a passé, je lui ai expliqué mon problème. Il m'a fait mettre dans l'avion par l'ambassade de la Côte d'Ivoire, par M. Tano qui était là-bas, à la comptabilité. On m'a mise dans l'avion, je suis allé à Washington. Il m'a reçu, on a mangé, je lui ai exposé mon problème. J'avais un manquant de
400 à 500 000 francs CFA. Mais je suis sortie avec des millions de la part du président Bédié. Donc, je lui dis merci. Il en est de même pour le président Gay, oui, qui a eu deux enfants avec ma cousine, oui, bien sûr. Mireille Gay, qui est aujourd'hui députée dans sa circonscription, et son frère Ruffin. Mm-hmm. Bon, ça, c'est écrit dans le destin de chacun. J'en profite aussi pour dire merci à tous les membres du gouvernement qui m'ont soutenu pendant mes 45 ans. D'accord. Le premier ministre Patrick Hachi, grâce au canal de KKB, je dirais merci aussi au ministre Vassendou Fofana qui m'a aidé. Comment il s'appelle? Mohamed Salamé, vraiment à tout le monde, notre ministre de la Culture, qui s'est déplacé, venu à mes répétitions et bien tout. Sûr, c'est top. On ne peut pas citer tout le monde. Ils sont tellement nombreux. Le ministre de la Santé, Dimba. Ah, hein, le ministre de la Santé. Tout cela, vraiment, la Côte Monsieur d'Ivoire le ministre de la Santé, soyez salué. Voilà, et puis Madame Badou, non, qui a été ministre de la Culture avant. Alette Badou. Alette. Oui. Bec Andemé. Tout le monde m'a aidé pour me dire que c'est la culture ivoirienne qu'il mais faut maman, aider. Il s'est dit que vous êtes parenté au président Laurent Gbagbo. Comment? Parce qu'on ne comprend pas cette affaire. Oh là là, cette affaire. Ça, là, ça fatigue un peu. On attend. Bon. Vous savez, oui. La mère à ma mère. D'accord. C'est-à-dire ma grand-mère. Oui. Qui a eu une jumelle. D'accord. Cette dernière a épousé un Traoré. D'accord. Quand ma mère est Traoré. L'autre jumelle est de la famille du président Gbagbo. Donc, nous sommes cousins de par nos grands-mères. De par vos grands-mères qui sont... Parce que ma mère... Oui, ma mère est née d'une femme Gouro de la famille Douabou. Ils sont de Douafla. D'accord. Merci. OK. Voilà, j'espère là, c'est clair. Là, maintenant, c'est clair. Oui, parce que, bon, c'était un peu ambigu, donc c'est un peu clair. Alors, maman, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Quel est le message que vous voulez porter à la nation en ce jour? Un message qui vous vient, qui vous tient véritablement à cœur, qui peut changer les choses? Toujours le pardon. Que la paix revienne, c'est notre souhait. Et je dirais même qu'on parlera de la paix le 7 décembre qui approche, là où le 7 août. Il y a une délégation de la famille du président Oufouette qui est venue me rendre visite accompagnée de Nana Fadiga, qui est une très grande amie. Et nous serons à Yamoussoukro pour rendre hommage au président Oufouette et parler de paix. Mon message, c'est la paix. À mon âge, là, je ne peux que penser à prôner la paix. Et puis, encore une fois, à revenir sur ma demande, demander au président Alassane de libérer ceux qui sont en prison. Parce que il n'y a pas un mot plus fort que le pardon. Et moi, j'insisterai toujours là-dessus. Mmh. Ça ne peut que le grandir, un geste de ce genre-là. Et je suis toujours inquiète aussi pour des cas comme Peter 007, Soul to Soul et leurs amis, même les exilés, qu'on les laisse rentrer parce que c'est ça la Côte d'Ivoire que je connais, la Côte d'Ivoire que Oufoué Boigny nous a laissé. On ne peut pas rester indéfiniment comme ça dans le doute, l'un vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, c'est Alassane qui est assis dans le fauteuil présidentiel. C'est à lui qu'on peut demander cette doléance-là. Doléance. Voilà, au président, merci. Maman, nous ne serons terminés cette émission parce qu'on l'a commencé en musique. On ne peut pas la terminer s'il n'y a pas de musique. Donc, l'orchestre étant là, maman va nous bercer encore cette enfance qu'on a vécue. À travers des mélodies célestes. C'est bon, on y va. Mora bembe, mora bembe, mora bembe, oh, lolo.
Alors c'est sur la voix de la diva que je vais profiter pour faire les big up. Big up au PDG Pierre Koumoué. Big up à Mamadou Diawara depuis Soumadif. Big up à Hervé Max depuis le Coco Bango. Big up à l'honoral Mamadou Ba di Briguel. Big up à Franck Mion. Big up à Viejo. Big up à Kangala le berger. La boutique des vêtements certifiés chez Kra. Ici c'est Fafa avec la diva, la mama Aïcha Koné. Ouais, ouais. Fafa. Serge Defali est là, Yumi est là, la maman chante un peu. Merci. Oh merci maman Aïcha. Merci. Fafa. Oh c'est fort. Fafa, Fafa, Fafa. Big up à Soko Soko de Genève, merci. Santiago. Adami, Stéphane Osson, Mixello à la réalisation. Merci au PDG, monsieur et madame Zoumana Bakayoko. Merci à la grande famille, ceux qui nous soutiennent. Fafa, c'était Fafa avec la diva Aïcha Koné. On prend le pardon, la réconciliation, le pardon, la réconciliation, le cap, le pardon pour une Côte d'Ivoire meilleure. C'est le message qui a été diffusé en ce jour dans cette émission. Merci. Max et Hervé, le Coco Bango, c'est ouvert. C'était Fafa, dames et messieurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les quatre coins du monde. Nous étions avec la mama, la diva, la reine mère, la mère des mères, Aïcha Koné. Waouh! Hey, Fafa, Fafa, mon galop. Merci, merci. Sortez couverts, on est ensemble.